Dave Tourine et son équipe traitent de la terre dans la mine perdue de Lynx Creek, en Arizona. Si elle tourne toute la journée, on atteindra l'objectif. À partir de maintenant, il nous faut 150 grammes par jour. L'or est déjà visible dans la rampe de lavage. Là, 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 partout. Mais Clark, qui doit récupérer le matériel de l'atelier, ne donne plus signe de vie. À son retour, il aura déjà 3 ou 4 nettoyages de retard. Ça fiche. Allô? Dave, ton gars, il m'a appelé. Je sais pas si t'as parlé, mais il a raté son avion. Apparemment, c'est une histoire de décalage horaire. C'est une blague? Pour savoir combien d'or il a extrait, Dave a besoin du matériel de récupération de Freddy Dodge. Tu l'as pas eu? Non, il a pas appelé. Il arrive seulement demain matin. C'est pas vrai. Il aurait quand même pu te prévenir. Quel... Je voulais te l'annoncer au cas où. Ok, merci. À plus tard, salut. Je vais appeler Clark. Il a intérêt à répondre. Je sais pas ce qui lui arrive, mais le temps presse. Quand il arrivera, on aura 3 jours de retard dans le nettoyage. Il met toute l'équipe dans la mouise. Ça répond pas. Décroche, mec. J'ai pris un avion pour le Colorado, où Freddy Dodge m'a formé sur son matos de récupération d'or. Puis on a mis ça dans le camion et j'ai roulé jusqu'ici. Après avoir raté son avion, Clark a été obligé de conduire de nuit. Mais Dave a encore 3 jours de retard dans le nettoyage déconcentré. Si on a de l'or dans les Suisses, je vais devoir tout faire pour installer cet équipement le plus vite possible. C'est Dave? Ouais. Clark, on peut pas se permettre de rester là à t'attendre pendant 3 ou 4 jours. Tu sais ce que ça représente pour moi? Quelqu'un qui loupe son avion et qui n'a même pas la décence d'appeler son patron pour lui dire... Dave, t'es sérieux? Ouais. Dans la voiture, c'était l'heure de l'Oregon. Et ton téléphone, il est sur quelle zone? Il s'adapte à la zone où je suis. Ben voilà. Sauf qu'en conduisant vers l'aéroport, je me suis fié à l'heure de la voiture. Je t'ai pas appelé parce que... T'aurais dû me prévenir que t'avais raté ton avion. Je m'étais mis dedans tout seul. Ça suffit. Écoute-moi. On arrête, c'est toi qui m'écoutes pas. J'ai fait une bourde. Je pensais avoir une heure d'avance alors que j'avais que 5 minutes. Très mature de me tourner ton dos. Là, tu me cherches. Non. Si, tu me provoques. J'ai un boulot à faire. Je dois gérer Chris, je dois gérer Nathan, je dois gérer Jason. Sans compter les mecs avec leurs caméras. J'en ai rien à foutre de tes susceptibilités à la noix. Je te paye pour faire un boulot. C'est simple. Moi, susceptible? Pourquoi tu me parles encore? Ça mène nulle part! Ton intégrité est à chier.